de Yamabas, La Prétention. Non, en fait, parce que c'est le film que je viens de faire et vraiment je me projette que là-dedans pour l'instant, quoi. Mastroianni, c'est un grand acteur et un grand monsieur, à mon sens. De ce que je vois dans sa générosité, sa façon de donner, sa façon de travailler, je l'ai entendu souvent donner des interviews et voilà, c'est pour moi c'est un idole en fait. Anna Magnani, pour les mêmes raisons. Toutes les choses qui se contradictent à l'intérieur de cette femme, ça me fascine. En fait, tout ce qu'elle est capable de faire, elle est capable d'être heureuse comme elle est capable d'être malheureuse, elle est capable d'être la femme la plus gentille de la Terre comme la femme la plus méchante de la Terre, elle est capable d'être la plus belle comme la plus moche. Donc c'est des contradictions d'acteurs qui me parlent beaucoup. Non, j'aime pas la violence. J'aime les scènes qui racontent quelque chose dans un film, mais qui sont pas gratuitement violents. Je dirais There Will Be Blood. C'est vraiment une bande originale qui résonne beaucoup dans ma tête. C'est tout le travail sonore avec la musique, la façon dont la musique rentre dans le fond sonore de... Et c'est ce menace presque du danger. Ça m'a beaucoup touchée dans ce film. Je dirais Berlin, le festival de Berlin. Je suis très attachée, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un festival qui correspond vraiment aux besoins d'un cinéaste. Le film est vu par le public. Franchement, ma grand-mère maternelle. C'est une femme qui a... J'aime pas trimballer la souffrance comme ça gratuitement, mais c'est une femme qui a passé par tellement d'étapes dans sa vie. Et j'étais étonnée, malgré son visage crispé et plein de rides, à la fois qu'elle pouvait autant donner et autant sourire au monde. Je crois que je serai un livre de Gibran Khalil Gibran, Le Prophète. C'est le livre qui m'a bercée pendant mon adolescence. Et je crois que c'est un livre avec des mots qui aujourd'hui, ces mots devaient être presque les règles de la vie. Je ne serai rien parce que je n'aime pas la tradition. Pas pour moi. J'aime la politique, mais je n'aime pas être une femme politique. Son grand sourire. Mais tu veux quand même. Ah, c'est une femme. Il fait des couettes. Oui, mais c'est pas grave, mais c'est un homme aussi.